amis, aujourd'hui un test, hein, pas n'importe lequel, parce que vous avez demandé la suite de Macross. Donc aujourd'hui, on va faire Macross 2. Et c'est tiré bien sûr de cette OAV. Oui, ces fameuses OAV. Donc on va faire ce jeu. Et ça va être très très bien. Si vous pouvez repérer ce mongoloïde, très très bon aussi. C'est développé par MDMK, publié par Bomb Presto de 1993. Eh oui, il date déjà, je l'envoie un petit peu, mais on va y mettre une note par rapport à son époque. Allez, c'est parti, on essaye le jeu. Allez, c'est parti pour ce Macross. Donc, deux personnages jouables dès le départ. On peut prendre des chemins avec des difficultés différentes, comme vous voyez, sur ce fameux Macross 2. Allez, c'est parti. Donc, le premier tir sert tout simplement, bah, vous voyez, à tirer. Le deuxième tir sert tout simplement, comme vous voyez, enfin, le deuxième bouton à faire une espèce de bombe. Donc, il n'y a que deux boutons. Et la forme de notre vaisseau change par rapport à. Par exemple, les armes qu'on peut choisir avec le F. Vous avez vu bon, la forme du personnage. Là, je vais prendre le G. Ah, je sais pas si ça va voir. Donc, on va essayer de finir ce jeu. Donc, il faut appuyer plusieurs fois sur la touche pour pouvoir tirer, comme vous voyez. Si je reste appuyé, bah, ça marche pas. J'avais une bombe. Tac, 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 tac. Allez, on prend les options. Donc on est obligé de finir le jeu. Hein. J'ai très bien fini avec la petite box. Vous voyez le jeu en format shoot. Donc la maniabilité est plutôt correcte pour l'instant. Je mettrai un petit peu plus de son sur le deuxième niveau. Et on se reverra sur le débrief à la fin de la vidéo. Le premier boss, apparemment, hop, j'ai pris des missiles. Ah là là, je me suis fait avoir comme un bébête. Bon, on va pas se coller à lui. Donc on l'a eu, on va prendre les options. Bon, voilà, c'était pas le premier boss, comme je vous dis, je découvre le jeu en même temps que vous. Ah, c'est le premier boss, mais il y avait un petit peu d'ennemis après, tiens, c'est original, ça change. Donc on va mettre un petit peu plus de son. Hop, je passe devant. Sur la télé, elle est vieille, on a perdu la chaîne. C'est Retro Gaming Arrache, ça change pas. Alors, vous entendez un petit peu mieux là. Plusieurs robots de couleurs. Comme... Alors, on va prendre le H. Vous voyez, chaque couleur a une arme différente. Enfin, chaque couleur et chaque lettre. Donc, par rapport à notre premier test de Macross en arcade, vous voyez que le scrolling n'est pas le même. Je vous invite à aller voir la vidéo, c'était la vidéo du mois dernier. On va prendre du H. Allez, du H, c'est parti. Donc si je reste appuyé, ouais, il n'y a que les missiles qui partent de temps en temps. La musique est plutôt sympatoche. Oh là, les missiles. On va prendre les météorites. Ah ouais, les météorites c'est mortel. Je suis reparti avec l'arme de base. J'ai pris l'héroïne de ce fameux Macross 2.
Bon, il est plutôt cool l'ennemi, hein. Le design. Plutôt balèze. Plus de bombes. Oh ouais. Alors, on s'est déboîté la tronche, comme vous voyez. Oh, bah, y a time up. Pour finir le jeu, comme vous voyez, j'ai pas été bon dans le time up. Il va falloir se grouiller, abattre les ennemis. Parce qu'on a un time pour tuer les boss. J'arrive pas, je peux prendre un autre chemin. Ajouter des fils. Allez, on va essayer de prendre un M. On change. Non, on va. Oh, même les toutes petites me touchent. Franchement pas évident à passer. On a 52 secondes à passer le niveau en fait. Il y a un time en dessous. Si on n'y arrive pas, ben on a perdu. Il reste 46 secondes. Sinon quand même, un jeu a revu malgré le nombre de niveaux sans doute. Il y a 31 secondes à avoir. Imaginez là. Et sans bombe en plus. Là, d'armure, il ira peut-être mieux. Pas rester. Il est 7 secondes. Et pas de bombe. Ah, time up, donc j'ai encore perdu apparemment. Donc le fameux bruit qui déconcentre. Donc à chaque fois on doit recommencer. Ah ouais. Ouah, ça va être très très chaud en fait, les amis. Donc j'ai une 48 pour le finir. On a intérêt à pas perdre son armement quand on remonte en fait. Donc on va faire le dernier crédit. Vous avez vu le jeu. Pour l'instant, je le trouve pas mal, mais un jeu quand même relativement dur. Ça, on a un bon armement, il faut quand même l'avoir, le boss. Pas se prendre les météorites. Ah bien sûr je m'en prends une. Allez, allez c'est bon. Alors 55 secondes pour battre. Mais bon bah on s'enclenche pas forcément. Sinon, on reste quand même relativement bien dans l'atmosphère Macross, il n'y a pas de souci. On va faire les bombes, hein, 50 secondes. Ouais. 17 secondes à l'avoir. Allez, on va essayer. On l'a eu. Donc on va pouvoir voir les derniers niveaux du beginner. Continuer encore un petit peu. Un time up, mais c'est bon, j'ai eu le perso en facile. C'est-à-dire qu'après, ça doit être très très dur en fait. Oh oh, le reporter avec eh ben, l'extraterrestre ventradienne.
semble que c'est une ventradienne, si je dis pas de bêtises. Enfin, je revois le film sur l'ennemi. Enfin, l'ennemi qui est une gentille, hein, très bien dans le film. Alors, sur l'OAV. Donc, alors, on va découvrir ensemble le dernier niveau en beginner et on arrêtera la vidéo. Et je débrieferai sur ce jeu, sur mes premières impressions. D'arriver jusqu'au boss. En fait, on a du temps, donc 1:38 pour finir le niveau. Alors, pas terre à faire le con, il y avait une petite poupée mimée qui donne des points, vous avez vu. Oh là 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 là. Bon, ça va, là, il est heureux qu'il se détruise, cela. Il a récupéré une bombe, mais ça sera pas nécessaire. Assez pour finir le jeu, je pense. Au boss, on va essayer de l'avoir, mais j'ai qu'une seule bombe. Wow, un énorme vaisseau, génial. Non, je peux taper dedans. Hein, ouais. Regardez Starnold qui tire un peu partout. Allez, missile, parti. On détruit le verre, ça va être 34 secondes pour détruire cet énorme vaisseau. Une bombe, c'est encore plus vite, je l'ai faite. Un petit effet. Oh là là, il tire. Ça y est, j'ai perdu un shoot. Moins de puissance, plus de bombe. Alors, on va se démerder pour l'avoir. Ah là 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 là. Pas bon. Pas bon du tout, il reste 2 secondes. Waouh, mais c'est chaud. Waouh. Et ben, voilà pour ce fameux test de ce jeu. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc on a fait qu'une partie, vous voyez, il reste encore du taf après. Je suis qu'au stage 3. Après, il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 niveaux à faire. Et bah tout simplement un jeu pas évident comme vous voyez grâce au temps. Allez, à plus les amis. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu, vous allez me dire? Eh ben j'ai préféré quand même un petit peu le premier Macross. Celui-là il est bien un petit peu dur, vous avez vu le timing, c'est un peu chiant, ouais. J'aurais pu faire les 9 niveaux, mais je les ai pas fait. Quand même assez chaud, on rend un test quand même, surtout quand on connaît pas trop le jeu, mais qu'est-ce que j'en ai pensé, ben, plutôt un jeu agréable quand même, ouais, ça fly quand même, c'est pas mal, ouais, la maniabilité était plutôt bonne, graphisme, ça va, ouais, si vous aimez Thunder Force, vous pouvez tenter ce jeu-là, ouais, bon, je vous mettrai une note un petit peu inférieure au premier, mais pas un mauvais jeu en arcade. Si vous voulez mettre une petite pièce, oui, c'est de vous le procurer en émulateur ou autre chose, ou trouver la JAMA, eh ben allez-y, il vaut quand même le coup. A plus les amis, à la semaine prochaine, n'oubliez pas, petit pouce bleu, petit pouce rouge si vous aimez pas, commentaire de merde, bon commentaire. Et à la semaine prochaine, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche. Au revoir les amis.